Coiffeur à domicile de son état, Renan s'est découvert, voilà quelques années, une passion qui, elle aussi, vous allez le voir, ne manque pas de poils. Ça va, petit Louis ? Renan est un musher. Il est donc habilité à diriger des chiens de traîneau et depuis le mois de mai, il propose avec ses 9 chiens des baptêmes pour sillonner les chemins autour de chez lui. C'est un métier assez physique et il faut être plus têtu que les chiens. C'est ça aussi la difficulté, d'avoir le mental à être plus têtu que les chiens et de savoir se faire respecter mais sans violence, quoi. C'est ça aussi. Et c'est un métier de grande patience, c'est surtout ça. La sortie à cette période de l'année se fait toujours au petit matin pour ne pas exposer les animaux à de trop fortes températures. Pas plus de 15 degrés pour le confort de ces chiens originaires du Groenland. Je veux aussi sensibiliser les gens, que ce soit les adultes comme les enfants, par rapport au bien-être animal. Ça a beau être de la traction, c'est le bien-être avant tout. C'est des chiens de traction en fait, des fameux chevaux de trait. Ils sont faits pour ça. Donc on est loin de la maltraitance animale et justement pour leur bien-être, on les fait tracter. Perrine et sa fille Nora ont apprécié leur petite aventure, étonnée par la communion entre Renan et ses animaux. C'était chouette, c'était beau, c'est à faire. Et Renan, on le voit, il aime ses bêtes, il aime ses chiens, il est dans la bienveillance. Et même quand il tirait les chiens dans la montée, on les voyait, c'était impressionnant. Après une cinquantaine de baptêmes cet été, Renan veut croire en son projet, persuadé que l'avenir de ce loisir est tout à fait adapté à notre région. Les gens imaginent que des chiens de traîneau, ça doit être à la neige, chose qui est complètement faux, étant donné qu'un chien de traîneau, il a juste besoin de se dépenser. Il a besoin d'une dépense, il n'a pas besoin de neige, ce n'est pas une nécessité pour lui. Du moment où on fait courir le chien, on le fait tracter, il est heureux. Voilà. Un bonheur qui se partage sur des sorties de 45 à 90 minutes. Et on vous le promet, la balade ne manque pas de chiens.